Bienvenue et bon retour sur la chaîne pour ces lectures intuitives du mois de février. Merci à tous d'être présents et d'être présentes et de vous être abonnés, d'avoir liké les vidéos et celle-ci y compris. Je vous ai mis à disposition une explication du tirage que je veux utiliser pour ce mois de février. Donc vous avez toutes les explications sur la vidéo, je vous laisse aller regarder. J'utiliserai également, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je le répète quand même, le livre des oracles pour que vous puissiez poser trois questions. J'ouvrirai le livre pour vous lire trois réponses. Et puis également l'oracle des missives de vos guides pour un message à la fin de chacun des deux tirages que je ferai pour chacun des signes, pour chacun des chemins de vie. Alors, ce chemin de vie, c'est le chemin de vie numéro 5. Et donc, on va aller voir ce qui vibre pour vous en février. Donc, comme je l'ai dit aussi pour les autres vidéos, je n'interpréterai pas les cartes à l'envers du côté de vos qualités, de vos atouts, de tous les bénéfices que vous pouvez acquérir. Je les interpréterai toujours à l'endroit. Et par contre, j'interpréterai à l'envers la partie de ce que vous pouvez couper, de ce que vous pouvez changer, de ce que vous pouvez laisser derrière vous ou travailler. Donc, voilà pour le tarot noir. Alors, du côté de ce que vous avez comme atout, de ce que vous avez en poche. Vous avez le 5 d'épée, le 4 de denier et le 4 de coupe. Il y a le fait de devenir vraiment femme, vraiment homme, ou vraiment homme avec un grand H, d'incarner... Votre possibilité d'incarner durant ce mois de février ou d'aller puiser à l'intérieur de vous ou de révéler une capacité à être femme, à être homme avec un grand H dans tout ce que ça représente. Il y a certainement des énergies à l'intérieur de vous qui sont en train de bouillonner, d'être agitées. Alors, ce n'est pas une agitation qui vous coûte ou à craindre. C'est plus une agitation qui tend vers une mise en mouvement, une ascendance, un accès à une part de vous que peut-être vous ignoriez, à laquelle vous n'aviez pas encore accès. Est-ce que vous laissez bien pousser ses racines? Est-ce que vous laissez bien fleurir tout ce qui doit fleurir à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous retenez les choses et vous craignez un peu ce qui va pouvoir sortir de vous? Vous pouvez en tout cas faire confiance à cette émulation et à ces eaux bouillonnantes qui sont à l'intérieur de vous et qui demandent à s'exprimer, à sortir. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous affirmer dans le rôle d'homme ou de femme auquel vous aspiriez jusqu'à maintenant. Comme si jusqu'à aujourd'hui, il y avait quelque chose en vous qui n'avait pas été complètement vécu, complètement engendré, complètement incarné et qui, au cours du mois de février, se met en place, prend sa place et se construit, même au-delà de se construire, se vit en fait, prend vie, prend naissance. C'est peut-être un mois aussi où celles et ceux qui étaient très tournés vers l'intérieur, qui étaient très tournés vers eux-mêmes, vont à la rencontre de l'autre. Donc c'est pour ça que quand je vous dis sortir de vous les choses qui vont aller, qui vont s'élever, qui vont aller vers une émulation, etc., ce sont des choses qui vont à la rencontre de la vie et qui vont aussi à la rencontre des autres. Donc si vous étiez jusque-là un peu replié, un peu à l'intérieur de vous comme ça, il y a quelque chose durant ce mois de février qui va vous donner d'envie d'aller à l'extérieur. Ça peut être un projet aussi que vous avez gardé un peu secret, que vous n'avez pas révélé aux autres. Ça peut être aussi la conception d'un enfant que vous n'avez pas révélé aux autres. Ça peut être toutes sortes de sentiments que vous avez eu envie de révéler aux autres, mais que vous avez gardé pour vous, aux autres ou à l'autre. Ça peut être aussi un changement de vie. Vous voyez, ça peut s'articuler sous différents aspects. En tout cas, votre relation au monde et votre attachement à celui-ci pendant le mois de février, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans tous les chemins de vie pour ce mois de février, il y a quelque chose qui pousse vers l'extérieur, qui demande d'avancer, de laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur.
là, vous avez la capacité de l'exprimer, ce que vous avez à l'intérieur, d'une manière très responsable, d'une manière où vous pouvez faire appel à tous vos sens, et où vous pouvez faire appel à toute votre raison, à tout votre esprit, à tous vos sentiments. C'est comme si vous alliez ouvrir un tiroir avec plein d'outils à l'intérieur et choisir pour chaque situation qui se présentera à vous, chaque personne qui viendra vers vous, choisir les outils nécessaires et disponibles. Ça veut dire que vous aurez une grande capacité de lecture des situations qui vont venir vers vous et également une grande capacité d'y répondre et de les appréhender. C'est un peu, voilà, cette caisse à outils que vous avez. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez toutes ces capacités qui sont là à votre disposition et que vous n'aviez pas jusque-là encore osé ou encore ouvert ou vous ne vous étiez pas encore rendu compte que vous aviez tout ça sous la main. Peut-être aussi que ce sont des choses que vous allez pouvoir découvrir des autres ou mettre en relation avec des personnes qui vont vous apporter cette aide et vous ne pensiez pas peut-être que telle et telle personne avait ça dans son chapeau et que ça pouvait vous servir. Donc en tout cas, restez ouverte et ouvert à ce que les autres vous proposent et vous offrent et à ce que vous pouvez leur offrir pour ce mois de février parce qu'il y a sans doute des opportunités que vous allez pouvoir saisir, comprendre, appréhender d'une manière qui va mieux vous aller et qui ira mieux aux autres également. C'est aussi peut-être ne pas considérer que ce que vous emmenez avec vous, ce que vous avez dans vos bagages, comme ce qu'a dans son bagage le mat, sont des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant et sont des choses qui vous retiennent. Ce sont vos expériences et ce sont vos cannes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aller sonder à l'intérieur de vous grâce à votre intuition. Donc n'ayez pas peur de laisser s'exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, parce que les outils que vous avez en main pour le faire, pour vous faire voir et vous faire entendre et vous dire, vont être des outils qui vont vous permettre de le faire de la bonne manière. Si vous avez des communications, si vous avez des contrats, si vous avez des rencontres avec des personnes autres que des proches qui sont importantes durant ce mois de février, vous aurez très certainement une manière de réagir qui sera très ancrée et qui sera complètement lucide, une grande lucidité de quels outils et quels comportement vous devez acquérir ou quel comportement vous devez utiliser. C'est ça qu'on dit, j'arrive pas à trouver le mot. Avoir pour pouvoir répondre à ce qui vient vers vous. Dans votre relation à vous-même, il y a pour certains un bien-être à être avec eux, il y a un bien-être à être à l'intérieur de vous, il y a peut-être ce bien-être à avoir été à l'intérieur de vous durant ce mois de janvier, hein, comme on avait vu sur le calendrier intuitif de janvier, où beaucoup d'entre vous avaient eu besoin de se mettre au vert, de se poser, de refaire un peu de cocooning pour se nourrir et couper un petit peu avec l'année 2019. Peut-être que tout ça vous a servi et ça vous emmène aujourd'hui à avoir un intérieur qui vous plaît. L'intérieur de vous vous satisfait, comme si vous vous sentiez à l'aise avec, ou peut-être juste avec les sentiments, les émotions que vous ressentez. Qu'elles soient qualifiées par vous de bonnes ou de mauvaises, vous êtes à l'aise avec et vous prenez ce qui vient de vous-même. Il y a peut-être aussi une acceptation de tout ça, si ce n'est pas déjà le cas, qui intervient durant ce mois de février. Il n'y a pas cette honte et cette gêne à être vous-même parce que vous êtes au final un être humain, un être vivant, un être spirituel et il n'y a pas d'autre choix que de s'accepter, mais c'est même pas quelque chose que vous prenez de manière défaitiste, en disant bon, bah, de toutes les façons, il n'y a que ça qui me reste à faire puisque je ne peux pas m'échapper de mon corps et ni de mon esprit. Non, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vivre. Vous avez la capacité de le vivre vraiment sereinement, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur et de l'intégrer comme une valeur. Donc, quelles sont ces émotions, ces sentiments que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous en faites? Comment ça vous parle? Et comment ça vous emmène en paix, en fait? Qu'est-ce que c'est qui désormais a changé ou qui change ou que vous avez remarqué qui fait que vous êtes plus à l'aise avec ce qui se passe en vous? C'est comme si vous aviez appris à protéger une part de vous, à laisser une part d'accès
à vos blessures, à vos défauts, si on peut dire. Vous avez laissé ces choses-là vivre à l'intérieur de vous, mais vous les avez recouvertes de plein de douceur, de plein de tendresse, de plein de bienveillance. Et vous avez su construire par rapport à ça, au-dessus, en fait, et avec. Et du coup, ça fait qu'à l'intérieur de vous, il y a une forme d'équilibre, de paix, sans avoir tout changé, transformé et renié ce qui était, mais plutôt en ayant construit avec ce qui était et à partir de ce qui était. Ça vous procure une grande force dans laquelle vous pouvez aller puiser durant ce mois de février. Ou s'il y a des choses qui viennent se confronter à vous et qui viennent un peu vous déstabiliser durant février, vous pourrez puiser à l'intérieur de vous et trouver dans ce que vous avez construit émotionnellement et sentimentalement une certaine paix, un certain refuge. Et ça, c'est très salvateur pour vous. En plus, pour avoir la certitude de quel outil vous allez utiliser, de comment vous allez gérer les situations qui viennent face à vous, ce point d'ancrage à l'intérieur de vous, ça va vous aider à être lucide. Il y a une grande lucidité pour vous durant ce mois de février qui vous permettra certainement de faire les bons choix, non seulement vis-à-vis de vous-même, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous pouvez vous engager. Ce que ça nourrit en vous, c'est une forme de carapace, une forme de cuirasse, qui n'est pas quelque chose qui vous emprisonne ou qui vous serre et vous empêche d'être vous-même. Non, c'est comme une deuxième peau dans laquelle vous êtes très à l'aise, mais qui a le cuir très dur, très tanné. Tout ce que vous avez appris sur vous, les expériences qui se sont passées, c'est comme si vous en aviez construit un manteau qui vous tenait chaud l'hiver et qui vous maintenait au frais l'été. Et c'est tout un savoir-vivre, tout un savoir-faire, tout un savoir-mettre en place que vous avez pu acquérir. Il y a une forme de grande lucidité, autant sur ce qui se passe en vous et les émotions et les sentiments et l'intuition que sur votre interaction avec le monde et avec les autres. Comme si vous aviez trouvé un juste échange entre votre peau vers l'extérieur, mais aussi le contact de votre peau vers l'intérieur. Et ça nourrit une confiance en la vie. Que peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, qui vient vers vous, vous êtes assuré de savoir quoi répondre et quoi faire. Peu importe ce qui s'en vient, il y a comme une force à l'intérieur de vous, une croyance profonde que vous êtes prête et prête à le vivre et à l'assumer et en tirer les leçons. Ça, ce sont des éléments dans lesquels vous pouvez aller puiser pendant ce mois de février. Ce sont des choses qui sont avec vous, qui vous appartiennent et qui sont puissantes. Alors, du côté de ce que vous pouvez lâcher et de ce que vous pouvez travailler, vous avez le cavalier de denier, le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Alors, j'aurais envie de vous dire, peut-être que c'est intéressant de ne pas aller trop vite. Peut-être que vous êtes un peu pressé. Peut-être que vous aimez que les choses se fassent tout de suite, maintenant. Et peut-être aussi que vous aimez savoir ce qui va se passer demain. Avec cette paix intérieure que vous avez là, ça peut vous permettre de vous éloigner de ça et de ne pas craindre de ne pas connaître demain. Peut-être que cette stabilité émotionnelle là que vous avez, elle intervient également parce que vous arrivez à avoir un certain contrôle sur les choses. C'est ce que ça pourrait dire. Et que cette stabilité là, elle dépend de ce contrôle. Or, même si vous coupez sur un certain empressement, et une certaine envie de contrôler ce qui se passe demain et d'être pressé d'y arriver pour voir comment ça va s'orienter, vous ne perdrez pas forcément cette stabilité. Au contraire, vous allez pouvoir être beaucoup plus étendu et moins retenu et moins contracté, mais beaucoup plus étendu et dilué et comprendre et appréhender les choses encore mieux. Donc, il y a peut-être une forme de lâcher prise sur la pensée, sur le fait de tout programmer, de tout contrôler, de tout envisager, de tout poser, de tout calculer et d'être dans une forme d'empressement à vivre demain et surtout à savoir demain en fait. J'ai l'impression que c'est aussi savoir demain. C'est aussi vivre avec l'acceptation que vous réussissez à faire ici et que vous avez la capacité de faire
Vous avez la capacité d'accepter ce que la vie vous propose, de ne pas travailler contre ce que la vie vous propose, mais avec, comme vous le faites ici, comme vous avez la capacité de le faire ici. Rien de ce que vous, vivez n'est quelque chose à refuser. Ça veut dire que vous ne pouvez plus vous dire « je suis punie, je suis mal aimée, je suis... c'est le karma qui s'abat sur moi, c'est injuste. » Avec toutes les capacités que vous avez là et la lucidité dont vous pouvez faire preuve en février, qui est en vous déjà, vous ne pouvez plus vous dire ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la fuite en fait là-dedans, qui mettrait la responsabilité sur l'autre en face de vous. Donc peut-être que dans les relations que vous avez avec les autres, où vous voulez que ça aille vite, vouloir comprendre l'autre, que les choses se signent vite et se fassent vite, il y a tout intérêt à ce que vous lâchiez un petit peu du lest, à faire peut-être un peu plus confiance à l'autre, et à le laisser aussi vous proposer des choses. Mais c'est aussi valable pour la vie. Ce cavalier, il est à cheval, il est en complet accord avec un animal qui peut à tout moment le renverser et le faire tomber. C'est sa confiance en son assise sur cet animal qui lui permet d'aller plus loin et de remonter un autre jour dessus. C'est un peu cette attitude que vous pouvez avoir avec la vie et face aux gens. Et avec la lucidité dont vous pouvez faire preuve en février, je pense que c'est quelque chose que vous arriverez à lâcher si jamais vous faites confiance et que vous restez connecté à votre intuition et à ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que vous êtes ouvert à toutes les propositions, vous acceptez tout, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que vous êtes vigilante, vigilant, que vous savez ce qui se passe, ce qui est en jeu, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. C'est ce qui fait que vous faites des choix qui peut-être sont plus en accord avec qui vous êtes. Sur vos relations intimes, il y a le cavalier de coupe. Donc là, c'est encore un petit peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose de... niveau de l'empressement, peut-être que les choses avancent. Si jamais vous êtes dans un travail personnel avec vous-même, peut-être que vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez envie de passer d'une problématique, de quelque chose que vous voulez changer en vous, à une certaine forme de perfection, un idéalisme peut-être de comment vous devriez être dans la vie. Et là, vous voyez, je vous ai parlé de vos défauts, vos qualités, que vous avez réussi à construire avec. Donc, il y a encore peut-être en février des réminiscences, des envies, d'être cet être ultime, ce super et cette super héroïne, héros et héroïne, qui veut être parfait à l'intérieur. Les émotions, les sentiments que vous ressentez, les choses qui sont à l'intérieur de vous et qui parfois font référence à des blessures, sont, comme je vous l'ai dit là, des choses sur lesquelles vous pouvez construire et avec lesquelles vous construisez. Tout est possible pour vous à partir du moment où vous vous encadrez et comprenez ce que le tarot vous dit ici. Ok, et aussi de ne pas être fermé à l'amour que vous vous offrez à vous-même. Cet amour que vous vous offrez à vous-même, il sera en résonance avec l'amour que vous recevrez de l'ami, de la vie et des autres. Plus vous serez attentive et attentif à ce qui vibre à l'intérieur de vous, plus vous recevrez en échange. Dans ce que ça transforme en vous, ce que ça fait évoluer, vous avez le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il est sur sa monture, il est conscient de ce qui se passe, donc il y a cette conscience, cette lucidité, cette capacité d'introspection et en même temps ce pouvoir, cette force d'action, ce potentiel d'avancer et cette capacité à vous relier à votre intuition. Tout ça, c'est la somme, ce cavalier de bâton, c'est la somme de tout ce que vous pouvez faire, accomplir et transformer. En travaillant sur ces deux choses-là, vous arrivez à être une personne complètement lucide. L'ultime être humain, on va dire. La révélation de qui vous êtes dans le maximus de vos potentiels. Ce qui ne veut pas dire que vous allez soulever et faire léviter des pierres demain juste avec votre esprit, que tout le monde va se mettre à genoux devant vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous allez vous sentir peut-être un peu un héros, peut-être une héroïne, parce que vous allez réussir à vous sentir bien et à accepter le cheminement que la vie vous propose et les interactions qu'elle vous propose avec les autres. Et ça, c'est un grand moment de paix, de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Alors, avec le Lily White, je ne sais pas si vous êtes allé sur l'Instagram de la chaîne aujourd'hui, mais j'ai acheté deux autres tarots, deux autres oracles
que je voulais depuis longtemps. Il y a celui de Célia Melléville qui est l'oracle des reflets. Elle a édité une nouvelle version là, l'année dernière. Ou peut-être en début. Non, c'était l'année dernière. Et j'ai également acheté le The Moon Oracle. Que je trouve magnifique aussi, qui est hyper sympa, parce que ça, je trouve c'est un petit peu long à lire. Je peux pas tout le temps vous les utiliser pour les prochaines. Je pourrais pas les utiliser pour les prochains tirages que je ferai. L'oracle des reflets et le Moon Oracle, ils sont vraiment parfaits. Une tarte de les recevoir et de vous les montrer, de partager ça avec vous. Alors, il y a un vrai business dans vos échanges avec les autres, pas de vous servir des autres, mais de réussir à voir ce qui en eux peut vous servir et vice versa. Alors c'est pas de la manipulation, bien au contraire, c'est une manière de mettre à profit et de révéler ce dont l'autre est capable. Ok ? Il y a quelque chose qui ressemble à ça là. Il y a peut-être un retournement de situation aussi dans la manière de vous vivre, dans la manière de vous autoriser à être vous, qui viendrait en écho avec ici ce que je vous disais par rapport à la place et aux outils que vous pouvez utiliser avec les autres. Et aussi ici. On va aller voir ça sur la suite du tirage. Alors, je vais vous lire une des cartes des missives des guides. Puisque certains d'entre vous vont peut-être s'arrêter là. Et du coup, bah, je voudrais aussi que vous puissiez profiter de ces cartes et de ces messages. Alors, j'ai plus de place, je sais pas où mettre les choses. Cher vous, il y a... Alors, je vais la rapprocher parce que c'est écrit rose sur rose. C'est un petit peu compliqué de lire. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque à un autre jour, mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut aussi dangereux qu'il puisse paraître. Eh bien, accrochez-vous à votre parachute car le moment est venu. Sachez que, quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas tomber. Vous noyer, vous perdre ou vous blesser de quelque manière que ce soit. Même si vous avez l'impression d'être en chute libre, on est là pour vous. Donc vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau. Tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience. Peu importe ce que vous demandez, il est temps de courir le risque et de réaliser cet objectif qui vous effraie. Quoi qu'il arrive, vous atterrirez doucement, juste sur la cible. Ne vous inquiétez pas du résultat, l'esprit veille sur vous, l'idée et d'oser faire ce saut. Nous honorons votre courage. Accueillez-le. Mm-hmm. Alors, et enfin, les trois questions. Donc, je vous laisse 2 secondes pour penser à la question que vous voulez poser. Vous avez 3 shots. Et puis, j'ouvrirai le livre dans quelques instants. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre pause également. Alors, pour la première réponse... Ne faites pas de projet, si cela doit se faire, cela se fera. Très bien. La deuxième. Alors, les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. La troisième. Alors, les feuilles de thé dessinent la forme d'une encre. Évaluez d'abord votre situation financière. Donc il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui va au-delà de ce que je vous ai dit par rapport à ce saut, mais c'est vraiment cette confiance en la vie qui était là et en l'autre qui est importante aussi. Voilà pour cette première partie de tirage. Merci d'avoir été là, d'avoir été présente et présent à cette lecture. On se retrouve très prochainement tout au long du mois de février. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.